Eh bien, salut tout le monde. Voilà, donc c'est Dream Voyager. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo très très simple, astuce pour les commentaires YouTube. Alors, ça va être comment faire donc pour designer ces commentaires. Donc, c'est-à-dire soit mettre des mots en italique, en barré, en gras, ou par exemple faire le hashtag. Donc, quand vous ouvrez ce hashtag, donc quand vous cliquez dessus, vous avez directement une recherche sur YouTube avec le mot qui était dans le hashtag. Donc, en l'occurrence, c'était Dream Voyager. Et ensuite vous avez le plus, donc plus le nom d'un youtubeur ou d'une simple personne, voilà, qui vous emmène sur le lien de son profil Google+, voilà comme ici, ou sa chaîne, s'il a une chaîne, voilà. Donc on va voir comment faire tout ça, ensuite on va modifier. Donc pour faire l'italique c'est très simple, il faut prendre les barres du bas, les petits traits du bas, et il faut mettre deux, comme une espèce de balise, enfin c'est une balise en fait. Ensuite pour le barré, il suffit de mettre un tiré, juste un tiré au début, un tiré à la fin du mot. Pour le gras, une étoile. Donc pour l'hashtag, bah écoutez, c'est très très simple. Donc je vais supprimer ça. Hop. Donc pour l'hashtag, c'est très très simple. Vous faites Alt-GR et vous appuyez sur le petit 3 de votre clavier. Donc normalement, il y a le petit logo hashtag. Ensuite, vous tapez le mot que vous recherchez. Je ne sais pas si je tape Google. Voilà, c'est à dire que quand je cliquerai dessus, eh ben j'aurai une recherche YouTube avec le mot Google dedans. Et donc ensuite ce sera avec plus, et là ensuite le nom d'un youtubeur. Donc écoutez, je ne sais pas, si je mets Gotaga par exemple, voilà, bim, on retombe sur lui, et hop, si je suis enregistré, voilà, donc là je clique dessus, j'ai sa chaîne YouTube normalement, voilà, j'ai sa chaîne YouTube. Et ensuite pour le hashtag Google, voilà, j'ai une recherche avec le Google. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, cette petite astuce, voilà, très très simple. Je t'invite à voir mes autres vidéos ou simplement à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis au revoir et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.